Si tu es entrepreneur, coach ou thérapeute, regarde cette vidéo. Ça va t'intéresser si tu veux manifester plus de clients. Tu as besoin de récupérer ta charte énergétique. Je te la mettrai sur ma bio. Tu pourras la calculer. J'ai besoin de ta date de naissance. Tu as des flèches tout en haut. Et la flèche en noir là, à droite, en bas, si elle est tournée vers la gauche, comme moi, il va falloir te focaliser sur les émotions de ce que tu veux manifester. Si elle est tournée vers la gauche, il faudra te focaliser sur les détails. Et par exemple, si tu fais ta loi d'attraction et tu visualises que tu as fait par exemple le meilleur mois de ta vie et que tu as eu plein de nouveaux clients, moi je dois me focaliser sur les émotions, genre la gratitude, la joie, c'était trop bien, je dois vraiment kiffer et je dois travailler sur toutes les émotions négatives qui pourraient y arriver. Si cette flèche-là, elle est tournée vers la gauche, tu devras te focaliser sur les détails, la visualisation, les détails, donc le nombre de personnes que tu veux. Le chiffre d'affaires exact, plus de détails, plus de détails, de détails, de détails. Ensuite, la flèche en rouge vers le bas, tu vois, elle est pointée vers la gauche. Du coup, je dois faire ma loi d'attraction, ma visualisation un peu tous les jours. À la même heure, par exemple. Donc, tous les matins, tous les soirs, je visualise. Si tu l'as tournée vers la droite, là, faut le faire au ressenti, quand tu le sens que tu en as besoin, et c'est pas forcément tous les jours. Donc, vous voyez, la loi d'attraction, elle est différente en fonction de votre charte énergétique. Si tu veux en savoir plus, bah, n'hésite pas à la récupérer et à tester. Est-ce que toi c'est plus détail ou émotionnel? Est-ce que c'est plus régulier et fixe au même moment? Ou est-ce que c'est plus quand tu le sens, quand t'en as besoin? Si t'as des questions, rendez-vous en commentaire.